Il est un village en pays de Pevel où se concentre une étonnante richesse. Une richesse faite de talents. Talents artistiques ou talents artisanaux qui périodiquement sortent de leurs ateliers. Le temps d'un week-end, professionnels et amateurs se côtoient et exposent leurs œuvres au grand public. Ici, point de différence, qu'il soit artiste de métier ou artiste du temps libre, chacun est invité à faire la démonstration de ses talents. C'est la règle. Et c'est au public d'apprécier, voire d'acquérir une œuvre. Il est aussi possible, et même souhaité, que les artistes réalisent en direct. Plus qu'une exposition, l'événement devient alors un atelier pédagogique, un lieu d'échange. L'originalité de cette rencontre tient en son principe, le mélange des genres. Envelin Art est un melting pot des arts dans toute leur diversité. Aux habituels arts plastiques se joignent la musique, l'art lyrique et même la danse. À chacune de ses éditions, Envelin Art met en valeur une expression artistique particulière au travers de quelques invités. Exception à la règle, ces invités ne sont pas envelinois, mais ont en commun de mettre en œuvre une matière, une technique, un style ou un sujet, un art nouveau. Ainsi, au fil des années, il est offert au public fidèle de revisiter l'art du verre, de comprendre les diverses techniques de la céramique, redécouvrir le végétal ou même le papier sous des formes artistiques inattendues. De la vie des artistes eux-mêmes, Envelin Art est une exposition hors du commun. Parce que le temps d'un week-end, le temps d'une auberge espagnole, ils se côtoient, échangent, comparent, collaborent. Une connivence telle que dès la première exposition, ils ont scellé cette collaboration dans une œuvre collective. Ainsi naquirent la Stèle des Verriers ou le monumental cycliste en hommage au Paris-Roubaix. Dès lors, l'œuvre commune devint une composante indissociable d'Envelin Art. Tantôt en résonance au thème de l'année, comme pour l'art végétal, tantôt autonome, mais toujours collective, toujours événementielle.
Que vous en aimiez l'une ou l'autre de ces expressions, que vous en connaissiez ou pas l'ample richesse, l'art sous toutes ses formes s'offre à votre curiosité, à votre regard, à votre sensibilité. Tous les deux ans, à Envelin. Alors à bientôt.